2 Timothy 3:16-17 says, all scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. The BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth, on Radio Parole de Vérité with Minister Skyina Mendron, is a show that provides biblical and practical help for everyday problems, spiritual, social, educational, health, and family issues. So please join us and listen every Thursday from 7 to 9 p.m. and Sundays from 5 to 7 p.m. on Radio Parole de Vérité. You will be tremendously blessed. Vous êtes sur Radio Parole de Vérité, une station qui fait la différence dans le monde évangélique. Pour Norinamo spirituellement, Radio Parole de Vérité, c'est la référence. Timothy 3:16-17 says, all scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. The BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth, on Radio Parole de Vérité with Minister Skyina Mendron, is a show that provides biblical and practical help for everyday problems, spiritual, social, educational, health, and family issues. So join us and listen every Thursday from 7 to 9 p.m. and Sundays from 5 to 7 p.m. You will be blessed.
Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur la BIBLE, instruction de base. Avant que nous quittions Tessa, nous saluons tout amis, auditeurs, auditrices, fidèles à Radio Parole de Vérité. Nous saluons tout internaute, nous, dans notre Sauveur, nous Jésus-Christ. La paix de Dieu vous soit, quel que soit côtoyé, quel que soit ça fait. Et depuis qu'on attend des voix, nous encourageons pour inviter nos amis, en famille, pour venir tendre Radio Parole de Vérité. Si que vous êtes internaute, vous suivez nous. Et live sur réseaux sociaux, nous invitons pour partager sous page. Nous saluons spécialement directeur station, Evans Amboise depuis studio 1. Nous saluons et le frère Harold Mendron qui est avec nous dans studio 3. Et non pas moins, c'est Skaïna Germain Mendron, c'est Servantou qui l'a pour encourager, pour enseigner, pour prêcher la parole de Dieu. Donc, encore une fois, c'est un privilège, c'est un honneur depuis que nous avons micro ça pour nous partager avec vous ça le Seigneur mettait sous que nous. Donc, pas oublier que émission ça, c'est la BIBLE, instruction de base, avant que nous quittions ça, the BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth. Depuis nous dit la BIBLE, au compte ça pour faire, c'est pour prendre plumeau, c'est pour prendre bibou, c'est pour prendre un cahier pour qu'on prenne note. Et émission, ça que nous gagnons pour aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous allons parler de addiction. Le monde addicté avec yon bagay. Et il y a quelques sujets que nous avons discuté puisque nous allons parler de addiction. Nous pas seulement arrêter ces monde qui addicté avec alcool, mais aussi sexe. Donc, il y a quelques bagay que nous avons dit qu'il ne doit pas approprier pour un petit monde de bas de 12 ans. Donc, et nous voulons fort qu'on ait ça. Pas oublier que, ou qu'attendre Radio Parole de Vérité plusieurs façons. Nous, tous côtés, nous sous Facebook, nous sous YouTube, nous sous TuneIn. Radio Parole de Vérité gagne une app. Ou qu'à aller dans App Store là, ou bien Google Play, taper Radio Parole de Vérité. Qu'on soit joint nous. Nous aussi sous Alexa. Pour monde qui gagne Alexa, ou bien doit dire Alexa Play Radio PD. So, PV. Donc, qu'on ça que ou qu'à tendez Radio Parole de Vérité, quel que soit côté que ou y est. Donc, nous encourageons, relez en amis, relez en famille. Dis aux branchés, pas oublier que souviens Alexa, je dis Alexa, play radio PV. PV, PV. Souviens setup en anglais. Ou ka dit ça. Et donc, comme ça, la jouer Radio Parole de Vérité pour vous. Donc, et avant que nous entrions dans la prière, avant que nous entrions dans le sujet, nous, c'est un moment pour lever, pour aller prendre bibou. Et nous pourrons passer musique ça de orchestre révélation côté bibou. Parce que là, nous avons un sujet ça que nous avons traité, surtout sujet ça important, nous voulons pour nous courir tout ça, nous avons dit avec la parole de Dieu. Ok? Est-ce qu'on croit que parole bon Dieu gagne tout son besoin pour qu'a grandir spirituellement et ça fait nous reler son manuel lié son instruction de base avant qu'on quitte Tessa. Basic instruction before leaving earth on Radio Parole de Vérité. Nous saluer tout amis nous qui habitué tendez, nous saluer le frère Reginald Telson depuis Haïti qui toujours branché, nous saluer pasteur Véronique Lapaix, pasteur Enson, nous saluer pasteur Jonathan, tout monde ça qui toujours branché sur Radio Parole de Vérité, nous saluer la sœur Jésus la Amboise, nous salue madame Amboise et sa famille, maman, le papa, tout le monde qui habitué tendez nous. Donc bienvenue, 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 pas oublier, prends temps ça. Pour aller chercher bibou, pour aller chercher plumeau, et puis rejoindre nous dans Somme 139 pour nous entrer dans la prière avant que nous débattions sujet ça. Gardez l'écoute. Radio Parole de Dieu. Qui plaît si bon livio, il fait connaître côté de sauti côté nous y est à côté nous parler. Yo divisé l'un des pensions anciens à nouveau contrat. C'est livre ça qui fait conséquent pour tout chrétien qui a besoin de bon Dieu. C'est dans l'esprit mon Dieu le sorti, l'a servi pour montrer nous qui j'en marchais dans le pouvoir mon Dieu. Comme ça l'ennemi en campé, nous va camper
parole là, parole ça qui va nous victoire sous toute bataille qui va camper devant nous. Vous êtes sur Radio Parole de Vérité. Pas les bibles là, c'est la dague, et la joie, c'est la dague, et victoire, et puis cette révélation. Yeah, yeah. Sur Radio Parole de Vérité, une station qui fait la différence dans le monde évangélique. Bienvenue, bienvenue encore une fois sur la BIBLE. Instruction de base avant que nous quittions ça. Sous fait branché, nous saluons, nous nous sauvons, nous Jésus-Christ. Depuis studio 3, c'est servante Oscarina, Germain Mendron, qui ensemble avec au port émission pour la BIBLE. Instruction de base avant que nous quittions ça. Comme nous te dirons ça, que topic que nous avons pour nous partager avec vous. Nous parlons de addiction aujourd'hui. Hein? Nous parlons de addiction. Addiction, qui ça qui addiction? Et nous-mêmes chrétiens, qui ça la Bible parle de ça? Comment pour nous maîtrise de soi, pour nous pas tomber
en bas bagaille ça, il y a plusieurs types de addiction et il y a monde qui ca penser que comme on dit ça en créole, en bon créole là, un monde qui taffe à terre, un monde qui apprend drogue tout le temps, ça relé addiction. Donc nous pral entrer dans sujet nous, mais avant nous voulons inviter le Seigneur dans tout ça que nous avons fait. Nous pral aller dans le psaume 139 et nous pral aller du verset 1 jusqu'à verset 5 et puis la descendre dans l'enfer. Ça son psaume de David, psaume 139, psaume 139. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma bouche, sur ma langue, que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Verset 21. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent? Ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste d'une façon absolue. Ils sont pour moi tes ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thought. See if there's any offensive way in me and lead me in the way of everlasting. Éternel, notre Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci. Seigneur, merci pour grâce, merci pour miséricorde. Merci, Seigneur, de ce que vous t'es pensé à nous-mêmes dans le moment ça, dans la minute ça. Seigneur, nous disons merci parce que vous êtes Dieu qui pas jamais dormi ou pas jamais kabisha. For your word say, he who watch over Israel doesn't slumber nor sleep. Lord God, we thank you for your grace. We thank you for your mercy. Father God, your mercy that you renew for us every morning, Father God. Lord God, we thank you for this platform, Lord God, Radio Parole de Vérité. Father God, we thank you for everyone, Lord God, who that you have anointed, Lord God, to be part of this radio station. Nous disons merci, Seigneur, pour onction et vision côté ma visionnaire radio, ça, Seigneur, pour te créer une plateforme pour l'évangile qu'a prêché, Seigneur, à travers le monde entier. Seigneur, nous demandons pour qu'imbé chaque animateur, chaque animatrice, Seigneur. Qu'imbé nous en basel, ou Seigneur. Mettez humilité là qu'à nous, Seigneur, pour ne pas jamais gonfler l'estomac, nous, Seigneur. Nous demandons un moment ça, Seigneur, pour bénir, Seigneur, chaque auditeur, chaque auditrice, chaque internaute, quel que soit côté mon branché. Seigneur, dans minute ça, nous demandons tant pris Saint-Esprit du Dieu vivant. Même Jean-David t'a demandé pour faire un sondement, Seigneur, pour sonder cœur, pour sonder pensée, Seigneur, pour, Seigneur, garder si nous sommes en mauvaise voie, Seigneur, si il y a un monde là, Seigneur, qui sont en mauvaise route, Seigneur, t'en prie, souple, papa. Nous connaissons fait déjà, qu'a fait encore. Seigneur, menez-nous dans une route qui conduit à la vie éternelle, Seigneur. Dépouillez-nous, Père très saint, de la chair et de sang, Seigneur. Remplis-nous avec cet esprit, Seigneur. Parlez à travers nous-mêmes, Seigneur. Petit, tu y as attendu un moment ça, Seigneur. Seigneur, nous connaissons que nous pral parler d'un série de sujets li touchants. Seigneur, kounye en même gen moun, Seigneur, que parole ça ka touché, gen moun que l'a changé, gen moun, Seigneur, qui pral fâcher. Mais t'en prie, Seigneur. Même parole ça qui percez moi les os, Seigneur. C'est même parole ça. Pendant que l'épée a sauté, c'est lui-même qui a guéri en même temps. Seigneur, nous disons merci pour le farol Mendron. Nous disons merci, Seigneur, pour tout le monde qui mettait maintenant pas de ça, Seigneur. Oui, travaillant pile, Père très saint, mais manqué ouvrier. Mais Seigneur, t'en prie, équipez-nous. Renouvelez-nous de force comme l'aigle, Seigneur. Mettez la joie dans cœur, nous mettez la peine dans cœur, nous Seigneur, ba nous zèle pour nous pas jamais fatiguer, Seigneur. Et côté parole ça pral tomber, Seigneur, qui t'est tombé sous terre qui fertile. Pour les capoter bon fruit, Seigneur.
Dans minute ça, Seigneur, dépouillez-nous de toute mauvaise pensée. Chaque auditeur, chaque auditrice, chaque internaute, si gon bagay ki a dit la vèl nan moment ça, Seigneur, nous mandons pour dépouiller au Seigneur. Toucher, guérir, Seigneur. Fais grâce dans moment ça. Père très saint, nous prions ainsi. Non pas parce que nous dit ni nous bon, mais nous prions dans le nom sauveur nous Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. 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 Second Timothy 3:16 and 17 says, "All scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work." The BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth, on Radio Parole de Vérité with Minister Skyina Mendron, is a show that provides biblical and practical help for everyday problems, spiritual, social, educational, health, and family issues. So please join us and listen every Thursday from 7 to 9 p.m. and Sundays from 5 to 7 p.m. on Radio Parole de Vérité. You will be tremendously blessed. Bond your feet, bond your feet, oh feet. Sur Radio Parole de Vérité.
Bienvenue encore sur la BIBL. Instruction de base, avant que nous quittions ça, nous saluons la sœur Natacha Saint-Fort. Bienvenue. Et si vous attendez émission, soit attendez sur les ondes de Radio Parole de Vérité, nous invitons les amis en famille. Si vous suivez nous sur les réseaux sociaux, invitez au monde pour partager pour inviter au monde pour garder ensemble avec vous. Parce que nous parlons d'un topic qui est vraiment sensible. Et we're going to talk about a very, very sensitive subject. Nous allons parler de addiction. En français, on va dire addiction ou bien dépendance. In English, talk about addiction. And we're going to talk about different type of addiction. Différents types de addiction. Le noir est dans le dictionnaire, dans Wikipédia. Il décrit addiction comme ça. The English one says, addiction is a brain disorder characterized by compulsive engagement in rewarding stimuli despite adverse consequences. Français, elle dit comme ça que l'addiction ou dépendance est une conduite qui repose sur une envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Donc là, on a parlé de sujet, il dit que le sujet se livre à son addiction. Par exemple, on moun utilisation d'une drogue, on moun ki nan drogue, ou bien hasard, moun jeu de l'argent, moun kap joué bolette sans arrêter. Français a continué dit, malgré la conscience aiguë qu'il a le plus souvent d'abus et de perte de sa liberté d'action ou de leur éventualité. Une addiction se manifeste par un phénomène lorsqu'on est privé d'un besoin non vital. Exemple, de besoins vitaux, nourriture, sommeil. Cette addiction est dite grave si son sevrage entraîne de la violence ou de l'agressivité. Qui ça français a dit? Il dit comme ça que vraiment addiction sont conduites que ou pas qu'à contrôler. En dépit de motivation gagnée pour ta contrôler ou pas capable contrôler. Le nous allons dans Galates 5 verset 22 à 23, par contre pour qui ça bon Dieu continue mettre bagaille ça sous que moi le fruit de l'esprit. Nous t'ai déjà parlé de monde qui pas pardonné, mais là on a parlé de maîtrise de soi, self control. Ça sont fruits de l'esprit, la tempérance, maîtrise de soi. Nous on que un monde qui gagne en addiction, un problème d'addiction, mais on ka dire un monde qui obsédé avec un bagage, son monde qui gon manque de maîtrise. Les compulsive. Ça veut dire que tout ça que lui fait pour ta essayer contrôler tête lui, il pas capable. Et en pile fois le nous temps des addictions, nous gien doit seulement penser que moun qui addicté avec alcool, moun ka boit souvent. Le nous aller dans la Bible parle en pile de consommation d'alcool. Sous besoin quelques versets, il parle dans Lévitique 10, verset 9, Nombre 6, verset 3, Deutéronome 29, verset 6, Juges 13, verset 4 à 7, Proverbe, Ésaïe, même l'autre traversé dans le Nouveau Testament. Il n'est pas interdit nécessairement comme si pour un chrétien boyon bière ou bien du vin, ou bien quel que soit l'autre boisson alcoolisée. Mais la parler de le que ou quitter ça vient tourner yon addiction. D'un côté dans la Bible, il parlait de alcool non manière positive, soit aller dans le Nouveau Testament, côté Paul t'a parlé avec Timothée parce que Timothée était un problème d'estomac, peut-être un problème d'ulcère. Paul te dit Timothée boit un petit du vin parce que pas oublier à l'époque de l'eau yo pas traité.
OK, l'eau pas traité, donc l'eau t'est plein bactéries, des fois l'eau boit un pile d'eau qui pas traité, qui ça le fait, li bon maladie, bon problème de stomac, li gen doit bon choléra. Mais par contre, oui, gen moun ki di comme ça que peut-être du vin, li pas et comme on dit fermenté, li pas comme si alcoolisé. Oui, li était alcoolisé, peut-être li pas gen taux d'alcool que du vin que n'a boit kounye. Mais li était gen alcool la donne. Donc nan même jan tout li di kon sa que parole bon Dieu di kon sa que pour chrétien yo éviter l'ivresse ki sa di nan Ephésiens 5 verset 18 li di ne vous enivrez pas du vin cela vous conduit à une vie de désordre mais soyez remplis de quoi remplis de l'esprit donc quel que soit ça que ou fait un excès ou pas qu'à contrôler sous pas faire comme si ou sent tout manquer en bagaille et comme si un monde qui drogué leur pas jeune drogue là toute colle gratte elle fait la fait tout ça possible et imaginable pour li gagner drogue ça dans système ni dans cas ça c'est un monde que ou livrer comme si ça relait l'ivresse. Tout ça conduit qui boit, li conduit à des autres. Mais qui ça Paul a dit avec Éphésiens, on a Éphésiens 5 verset 18, li dit comme ça que mais soyez remplis de l'esprit. Be filled with the Holy Spirit. Donc là n'a parlé de drogue. N'a prend drogue avec alcool et soit visite aux États-Unis on croit que phénomène là à travers le monde entier qu'il y a une équipe jeune monde qu'il y a plus jeune monde à mourir avec overdose de drogue opioïde que toute l'autre bagaille so drogue tue plus jeune monde ici aux États-Unis que accident machine. Leur fait sondage, c'est ça que vous fait. Dans toute communauté, quelle que soit communauté, en communauté pauvre, en communauté riche, classe moyenne, ou bien ultra riche, tout le monde connaît deux, trois monde que qui pas levé parce que moun nan overdose, moun nan mouri. Parce que li prend trop pour tête li. Tout le monde connaît un monde que qui mourit dans accident machine ou bien qui était dans accident machine à cause que un monde qui était des voleurs, t'es tellement sous, il perd du contrôle li et puis il fait accident avec un autre monde. Quand plus jeune petit monde qui perdu la vie comme ça. Ou même on doit dire comme ça que pour qui ça m'a parlé avec chrétien, c'est pas avec chrétien pour me parler c'est deux à mal prêcher. Gien en pile addiction dans milieu nous. D'assembler nous dans l'église nous en pile fois nous pas connel moun nan gen doit venir l'église il pas senti alcool il pas senti drogue mais c'est pas ça seulement qui addiction gen moun c'est bolette yo jouer comme on dit ça they not only the lottery but moun nan gamble la jouer hasard. Et s'il pas sentil bien comme si moun nan kon perdu kali, li perdu foyer, li perdu mariage gâté à cause de addiction. Gen addiction sexuelle k'ap ravage communauté évangélique là dans toute forme. Là nous dit addiction sexuelle, nous inclut pornographie. Et grand pile moun nou wè que un pile leader kap tombé we call them fall from grace moun nan ap tombé à cause addiction que le gagne à cause de manque de maîtrise donc là n'ap continué nan 1 Corinthiens 6, verset 12. Paul dit, tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque.
quel que soit sa lié. Paul dit que ça que li permissible. Mais et pas parce que li bon pour ou. Li pas péché sous bon verre du vin, li pas péché sous bon bière, li pas péché sous bon boisson alcoolisée. Le moment que ou sous li tourne péché parce qu'on pas gi maîtrise encore. Et si que yon moun ki bon koto ki faible, même le que ou connaît que bon verre du vin pas péché, des fois ou même qui pi fort spirituellement faut abstenir. You have to refrain yourself. Juste pour pas causer l'autre là pour le péché. De Pierre 2 verset 19. Il dit ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé sur lui. L'homme son addict ou autant qu'un esclave parce que addiction prend première place. Li tourne on comme c'est dit ça en anglais obsessive compulsive ou obsédé par lui-même. Tout en temps pas joindre nous pas sentir bien. Depuis sa arrivée ou c'est un esclave. C'est ça, il dit dans 2 Pierre 2, verset 19. Car tout homme est esclave de ceux qui a triomphé sur lui. M'ba konnen qui ça que esclave, je dis. Sous sent sous son esclave, sous n'importe forme. Et nous parlons de différentes formes. Tendez voir le Saint-Esprit qui a parlé avec vous. À travers l'émission ça. Listen to the Holy Spirit's voice talking to you. You are a slave to whatever is controlling you. Est-ce que son esclave? Est-ce que son esclave? Paul bon Dieu dit comme un principe. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Lorsou, ou pas qu'a dit qu'on sou pour la gloire de Dieu, pas vrai? Lorsentre dans gourmandise, ou pas qu'a dit ou fait gourmandise pour la gloire de Dieu? L'on a pas acheté sans rété ou pas qu'a dit ou fait pour la gloire de Dieu. Le tout en temps pas ouais image pornographique dans yo ou pas senti à l'aise ou pas qu'a dit ou fait pour la gloire de Dieu. Tout ça que on a fait, que on a mangé, que on a boué. Paul dit faites tout pour la gloire de Dieu. Cela est extrêmement difficile. Pour un chrétien qui a pas abusé alcool ou bien quel que soit type de drogue là, ou bien pour un chrétien qui obsédé avec yon bagay qui contraire avec la parole de Dieu, pour chrétien ça t'a dit comme ça que la fèl pour la gloire de Dieu. Ou ka vin sou ou ka dit comme ça que oui c'est ce qu'aida oui Jésus t'a changé de l'eau en du vin, oui il t'a fait le vrai. Comme on dit que Bible parlait occasionnellement ou ka boire. Occasionnellement. Mais est-ce que li dit comme ça que pour la tête tout dans des boches? On va aller dans Galate. Nous pour aller dans Galate 5, oui nous t'ai commencé avec le fruit de l'esprit. On nous garder qui ça qui parle le fruit de l'esprit. Nous pour aller dans Galate 5. N'a commencé du verset 19. Il dit les œuvres de la nature humaine sont évidentes.
ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivronnerie, les excès de table, moun ki manje en pilio, et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Selon tel comportement, qui ça au pape héritier royaume ciel là. Pas oublier si vous avez participé avec nous dans l'émission ça numéro de participation, c'est 617 903 617 903 7140 617 903 71 40 617 903 71 40 ou bien ou carrelez nous sur WhatsApp 857 313 99 857 213 9944 99 44 99 44 857 313 99 44 pour moun ki ta remè entrer en contact avec nous sur WhatsApp. Et pas oublier que sujet que nous traité là le nous commencer entrer dans addiction sexuelle ça nous les sexual addiction et li gen doit pas approprié pour ti moun piti qui en bas de 13 ans. Donc nous disons ça parce que des fois nous essayer pour nous dire en deux langues pour aider moun qui pas tellement comprendre créole là ou bien français là. Et n'a continuer. Leur consommer alcool d'une façon qui modérée. Li pas dangereux ni li pas addictif. OK? Gen quelques docteurs qui recommandaient pour boire du vin rouge de temps à autre parce que li aider. Li aider avec santé ou li aider avec cœur. OK, c'est pas de ça n'a parlé. Gen religion bien dénomination qui dit comme ça que pas d'alcool dans n'importe circonstance. Et si le Saint-Esprit mettait sous cœur pour pas boire du tout, pas boire, parce qu'on raison pour ça, ok, y'a raison pour ça, parce que si le Saint-Esprit mettait sous cœur pour pas faire un bagage ou faire, qu'on n'y a pas senti coupable, même là que lui bon ou péché quand même. OK? Là que ou sous son monde qui gagne maîtrise ou qu'a consommer alcool d'une façon qui modéré. Li monte liberté chrétienne ou. Mais même j'aime te dit là avant. Si que ou gagne liberté pour boire un verre du vin, c'est pas problème. Mais si que liberté a cause yon moun tombe dans péché, ou pas supposé faire. Ou pas supposé faire la présence moun nan. Parce que nous tout pa gen même niveau spirituel. Nous tout pa nan même niveau spirituel. Nous est que l'ivonnerie et dépendance c'est ça qui péché. Et la Bible avertit nous de pour arriver non niveau que pas qu'à contrôler tête ou commencer à pas abuser ou risquer pour tomber dans péché ou risquer pour offenser bon Dieu qu'on n'y a pas fait pour la gloire de Dieu.
C'est ça que fait en pile moun li préférable pour un chrétien pour abstain. Li préférable pour un chrétien pas boire. Juste parce que ou pas connait niveau côté moun nan ka rive. OK? So quel que soit ça à faire, comment pour faire li ou faire li à la gloire de Dieu. C'est ça qui fait nous entrer avec ou. N'a bouti de péché yo. La débauche. L'ivonnerie. Les excès de table. Si que kou n'y a ou entré pour tomber la gè kò pou a bwè pou sou. Ça c'est débauche lié, ça c'est l'ivonnerie, excès de table. Gen en pile moun, an kite alcool pour un petit moment. Gen pile moun ki obsédé à manger. Excès de table. Gen c'est sucre. Moun nan comme si tellement obsédé manger à tuer, li rive mouri à cause que li pa ka di non. Toute obsession gon côté que li commencé. Nous prenons une petite pause musicale, nous allons retourner pour entrer bien dans ce que m'a dit. Toute obsession gon côté que li commencé. Des fois faut nous garder racine. Every obsession has a root. For us to address the issue, we need to go back to the root of the problem. Donc restez branchés, nous prenons une petite pause musicale, nous allons retourner tout de suite. Gardez l'écoute, que bon Dieu bénisse. Vous êtes sur Radio Parole de Vérité, une station qui fait la différence dans le monde évangélique. Timothy 3:16 and 17 says, "All scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work." The BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth, on Radio Parole de Vérité with Minister Skaina Mendron, is a show that provides biblical and practical help for everyday problems, spiritual, social, educational, health, and family issues. So join us and listen every Thursday from 7 to 9 p.m. and Sundays from 5 to 7 p.m. You will be blessed. C'est G.I.G. Mais nous, Jésus laisse marcher Yakou, bien content pour me faire service. Tout côté moi pour aller. C'est où qui compte toutes ces crèmes, et des bomba jamais quitter. Tout côté ma privé. Plus patience d'un coup, gardez-moi tout près ou toujours. Vous me faites travail moins avec la foi et confiance sous qui bonne victoire. Dans espoir ou pique au soleil, clairez tout bagaille sous la vie.
blessé, vive plus près où Jésus. Choisis fait même Jean à Jonas. Même Jean pour Dieu dévoué Jonas. À Néné, Jonas pour pas t'obéir. Moi-même, moi choisis au pays. Tandis ça. Bienvenue, bienvenue encore sur la BIBLE. Nous saluer tout le monde bon repos qui branché depuis Haïti. Bienvenue Prince qui branché sur la BIBLE. Et n'a continué conversation nous sous fait branché ou attendre radio parole de vérité depuis studio 3. C'est avant tout Skyna jamais m'aideront qui ensemble avec vous. Et n'a continué parler de addiction, nous saute parler de alcool et yon l'autre addiction qui a ravagé communauté évangélique, lancé addiction sexuelle. C'est addiction sexuelle. Dans le terme psychologique, il dit comme ça que addiction sexuelle c'est un problème mental. Like it's a disorder. OK? C'est même genre moun qui comme si obsessif compulsif yo, moun comme si qui pas gagne maîtrise yo. Même comme si même racine qui cause alcoolisme nan, c'est même racine ça nous ka dit comme ça que tout qui causait et
toutes sortes d'addictions. Pas oublier que tout ça qui cap triomphe sous ou c'est esclavli. OK? C'est ça que nous souhaitons à l'heure. Le verset que nous souhaitons partager avec vous. Donc depuis que pas gain maîtrise yon bagay, on bagay gain pouvoir sous ou, ça le dit dans 2 Pierre 2:19, il dit quand tout homme est esclave de celui de ceux qui a triomphé sur lui. You are enslaved of something that has that overpowered you. On nous entre dans addiction sexuelle. On va parler de abus sexuel, on va parler de addiction sexuelle. C'est comme si nous avons dit comme ça que ou entre tête ou non fil araignée, pas une sortie pour ou. Li commencer avec ça nous dit comme ça que si on compulsive sont comme si son envie qu'on gagne son obsession qu'on gagne li vinn tourner comme si ou vinn dépendre de li. So addiction sexuelle là in English it says it's a compulsive enslaving dependence on erotic excitement resulting in detrimental pattern of thinking and behavior. OK, ou vinn tourner on esclave ou dépend de des choses érotiques qu'on y a même li vinn menon non chemin comme s'il y affecté non seulement pensée ou li affecté comportement et puis li ka même vini pour destructif dans la vie ou. So on moun gen ka addicté avec sexe addiction sexuelle en plusieurs façons. Gen moun se magazine que yo pran pou y ap gade moun toutou ni la dan tout temps. Gen moun se movie, se film, sa nan prele porno. Gen moun se internet. Gen moun se de se nan comment ka di sa, nan stock kote yo vann bagay sa yo. Tout sa yo se addiction ke liye. El an nou gade avec media kounye. Nan men ou gon téléphone, nan téléphone sa ou gen accès avec tout bagay nan plamen ou. Donc ou pa besoin de magazine li dans téléphone ou pa besoin al gade film li dans téléphone ou. Tout sa besoin li nan porte men ou. Et en pile moun fi comme garçon, mais majorité c'est garçon, yo addicté sexuellement. Moun nan gen doit marier li addicté sexuellement. Bon, moi dis ça clair. Moi voulais dire ça clair. Sexe en dehors de mariage c'est un péché que lié. OK? Sex outside of marriage is a sin. It's always a sin. It always gonna be a sin. Son péché que lié, pas qu'est qui ça psychologue yo dit, qui ça moun savé yo dit. L'autre yo te dit comme ça que OK, l'autre fait ça son bail qui immoral. Mais kou ne yo dit comme ça que son problème. Ou ka li ça dans Acte 15 verset 20, 1 Corinthiens 5 verset 1, 1 Corinthiens 6 verset 13, 18, 1 Corinthiens 10 verset 8, 2 Corinthiens 12 verset 21, nous sautil pour dans Galates 5 verset 19, Éphésiens 5 verset 3, Colossiens 3 verset 5. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, Jude 7. Sexe en dehors du mariage, c'est péché. Pas jamais longtemps, ni passé, ni kounye, que sexe en dehors du mariage, pas de péché. There is never a time when it was right to have sex outside of marriage. Li pa jam te yon bagay ki fè mon Dieu plaisir. Nou fèl mais li pa jam bon bagay ki fè mon Dieu plaisir. Péché c'est péché. Ou di ah non, c'est avec un seul moun non. Péché c'est péché. M sot ba nou plusieurs versets. Yon moun puisque kounye an metabli fondasyon an, sexe en dehors du mariage, c'est péché.
l'immoralité sexuelle, c'est péché. Mais un monde qui marié littéralement, physiologiquement ou bien même psychologiquement, un couple marié, si yon entre dans la vie conjugale, yon quel que soit jan que yon vle fèl, le que yon vle fèl, ça paraît les addictions. Ok? Parce que dans Hébreu 13, verset 4, il dit que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc, mariage, sexe dans le contexte du mariage, c'est en façon que bon Dieu, bah nous, pour nous relâcher tension, nous, comme si ça t'a fort addicté avec sexe, c'est en façon que bon Dieu bah roule dans le contexte du mariage. Faut entendre bien ça, m'a dit, dans le contexte du mariage. Donc, est-ce que un couple qui marié, supposé quitter tête yo vin addicté pour un point que obsédé? Non, pas supposé faire ça. Parce que des pour tomber dans obsession ou pas qu'un contrôle encore. Attendez bien, de pour tomber dans obsession ou pas qu'un contrôle encore. Est-ce que son bagay ki mal si yon mari avec yon madame yon désiré pour yon entrer dans vie conjugale régulièrement? Non, ça pas un problème. M'a répété ça encore. Sexe dans le contexte du mariage, il pas péché. OK? 1 Corinthiens 7 verset 5. Il dit: ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes en plein accord l'un avec l'autre renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. M'appelons l'autre verset pour nous comprendre ça. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous mépriser. Ou séparé pour la prière. You separate for the purpose of prayer and fasting, but as soon as you done, join back together. Because you don't want to give Satan a leverage. Et nous t'ai parlé de ça déjà. Là, on a parlé de péché. Péché, son bras qui est addictif. Plus ou fait, plus ou voulez faire. OK? Most before péché, sin is addictive. Depuis que ou entre la dan régulièrement vin tout non vis pou ou. Bay menti. Excès à table. Boire alcool, fumer, la rage, pornographie, tout bagay sa yo. C'est péché. Yo vin toune on habitude. C'est ça qui fait l'important. Jeune homme yo gen aide pour ou. Jeune fille yo gen aide pour ou. Dirigeant k'ap tande m yo, leader yo, pasteur yo, si k'ap tande m, créons atmosphère dans assemblée an au côté comme si qui safe. How do you say safe in Creole? On côté qui safe, on côté comme si que moun nan ka senti li en sécurité pour le venir pour lui parler. Des fois ici aux États-Unis sou gen possibilité amener des experts chrétiens. Parce que gon bonne bagay k'ap détruit communauté chrétienne, nous pa vle parler de yo. Nous pa prêcher sous péché encore. Parce que nous peur.
Si la Bible dit c'est péché, c'est péché. Homosexualité, c'est péché. Même là que le monde accepte, c'est un mode de vie que lié. Il y a un monde pour accepter, surtout ici aux États-Unis. Mais devant Dieu, c'est le péché. Ici aux États-Unis, ils sont crimes pour marier avec deux, trois mounes en même temps. Il y aurait sa polygamie. Il n'y a pas arrêté à mettre en prison. Mais pendant ce temps, homosexualité, li ok. Et nous, on que de temps en temps, que y a commencé à, comme si on a dit, y a prigé nous, y a squeeze nous, oui, nous gain liberté pour nous pratiquer religion ici aux États-Unis. Ça dit, we have the freedom to practice religion or not. Son droit constitutionnel que lié, mais en même temps tout, que y a poussé. Nous, on l'affaire proche. Même constitution qui bon droit pour pratiquer religion ou bien choisir pour pas pratiquer une religion, c'est même constitution ça qu'on y a obligé, faites attention avec ce qu'on dit, oh c'est choix. Il y a pile assemblée qu'on y a qui accepte, yes, ou qu'a vini jonye. Nous tous ces péchés, c'est péché. Vin joindre Jésus-Christ hier, mais gon niveau qu'on arrive que le Saint-Esprit supposé travailler dans la vous supposé gon changement parce que quoi ou né de nouveau. Ou ka vin l'église on senti alcool ou senti buzz. Vin joindre Jésus hier. Mais faut qu'ou d'accord, le Saint-Esprit travaille dans la vie ou faut qu'ou ka changer ou pas ka vini pour dire comme ça que non c'est comme ça mieux. Pas gon seul changement qui fait. Et là, comme ça, il tourne un problème. À cause de l'addiction sexuelle, mari avec madame, paka, vie en vie conjugale, ça qui passe, c'est qu'il y a une vide. Moun nan tellement addicté, obsédé à regarder pornographie, l'el souka abonné avec madame ni, au lieu pour passer temps pour compte qui est madame ou bien mari lié, c'est ça que lui a pensé. Et en pile fois, on pourrait que, garçon surtout, qui a dicté avec pornographie, ou pas qu'à gon vie conjugale avec madame yo. En pile fois, yon kon gen problème kon impotence. Et pas parce que ou gade l'ou, di moi même ka gade l'y pas fait rien. Mais s'il pas font rien, pour que ça continue gade l'. Pour que ça de pour ouel, ou ouvril. Et nous, chrétiens, kap voye bagay pornographique sou WhatsApp ba l'autre moun. L'el rive sou efasel. Si ou besoin aide, frères et sœurs, gen aide. Pasteur leader yo. C'est pas seulement pour camper des enchères. God is good, yes. Mais peuple a mouri par faute de connaissance. Nous pas prêcher sous péché encore. Nous pas créons atmosphère pour moun nan vini pour le dire comme ça que mais qui problème que nous gagnons au lieu que nous fait ça nous juger et même le moun nan souffri avec li pas ka di ça c'est fait qui fait les faits on nous créons atmosphère pour on moun vini pour li ka senti que li à l'aise parce que en tant que chrétien bible parler de bagay ça faut que nous parler de yo li gen doit être possible pour mais avec Dieu li impossible parce que bagay la comme si son it's a vicious cycle qui ça le dit li commencer avec pain what we call pain douleur peut-être bagay qui t'est capable qui font mal. Et puis quand il commence ou commencer fixer sexuellement. Et puis fixation, il passe que pas oublier que tout commencer avec yon pensée. Et puis quand il même il commencer avec yon compulsion, on désir sous pas faire ou pas sentir bien. Et puis l'off fin faire quand il sent tout bien. Et puis quand il même après ça quand il rentre dans condamnation. Condamnation même vient créer peine. Et puis, c'est comme ça. C'est clair. On allait dans Jacques 1er, verset 15. Parce que quelqu'un doit dire ou pas comprendre ça m'a dit. James
James 1. And then we're going to go to verse 15. Si ou gen bibou avèm, Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. James is in the New Testament. Qui ça le dit? Va me lire pour. On nous commence dans verset 13. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Verset 15. Puis, attendez, oui, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, est pour fuir la mort. After desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, gives birth to death. Okay? Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Comment le commencer? Il commence avec un désir. C'est même cycle on t'a parlé. Au grand désir sexuel qui monte au. Et puis ou penser sous lit ou encourager qu'on y a même il faut faire acte. Lorsqu'il fait acte qu'on se sent tout bien, puisqu'on se sent tout bien, ou continuer faire. De pour ba péché côté pour le passé. Il vient développer ou gen la mort. Qui ça la parle pas la mort physique, on parle la mort spirituelle. Verset 16 dit, ne vous en trompez pas, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des lumières. Et qu'il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ses créatures. Don't be deceived. Pas tromper tête ou. Nous est que ils sont cercles. Gran pile moun k'ap soufri. Yo pa ka pale. Est-ce qu'on connaît gen mariage ki krasé? Parce que chaque temps, mari an di OK, m pa gade ça encore. Moun nan préféré gade un film pornographique tan pou l'entrer nan vie conjugale avec madame que bon Dieu bali a. So ap gade, c'est pas en réalité que lié. Soit regarder dans film nan, c'est pas en réalité que lié, son fantaisie que lié. Madame Marie qui couchait bon côté là, ça bon Dieu ba ouan, c'est ça, c'est en réalité. On nous suspend vivre dans illusion. On nous suspend vivre dit comme ça que not in my backyard. En pile fois, pasteur il a dit hey, pas dans l'église ça. Parce que tout pour tellement focus. Puis a pleuvé mais on l'est. Pour yon di béni soit l'Éternel. Pour yon pren poste, qui a marché droit devant bon Dieu, pendant tout temps spirituellement, n'a mouri. Bagala tellement asexible. Gen sondage qui fait, gen timoun, depuis à 7 ans, timoun n'a été exposé avec sexe, avec pornographie. Depuis à l'âge de 7 ans, timoun n'a exposé et gen même parents qui a encouragé ça. L'école a instruit timoun pour dire comme ça que it's okay pour faire une série de bagaille. Ben nous-mêmes, nous c'est lumière. Nous là pour nous faire différence. Qui différence qu'on a fait? Comment celle depuis la caillou?
ou pas cap camper du haut de la chair puis la caille ou gen problème ou pas cap ka on l'autre monde pour dire ka moun nan sale pendant ce temps de ka pas pi sale. Nous toujours prêts à juger, nous toujours prêts à condamner. Mais est-ce que nous mettez un système, un groupe pour nous enseigner moun yo bibliquement, pour nous conseiller moun yo bibliquement, pour nous sortir dans sa kouye ya. Nous connaissons des gens qui doivent pas prêcher son seigneur de bagaille parce que si il y a un assemblé qui va être gros dîme, le seigneur de bagaille pas parler, il perd du membre. Paul dit, est-ce que c'est les hommes m'appelaient ou bien c'est bon Dieu? Bon Dieu, on compte rendu pour le monde, pour on compte rendu pour le Bali, pour Bali. Qui soit prêt à dire? Ou gon grand assemblé, ou pas vle pour assemblé, krasé nan mon. Ou gon sa kfe, moun pe prêché sous péché, parce que nous tellement la donne, depuis moun parle, nous senti nous insulté. Qui est souillé pour juger? Non, c'est pas juger, ma perspecté, faut moi souge fri. Faut moi souge fri, c'est pas juger. Oui, il y a quelqu'un qui a venu à cause comme c'est jugé, mais si on prêche, soit parler, soit enseigner de péché, c'est pas jugé, on juger ou supposer qu'on est s'il pas bon ou bien s'il bon. C'est pas divine joine Christ et puis tout bagarre résoudre. Nous plus focus pour n'a prêcher libre et comment on dit ça déblocation prospérité pour n'a dire comme ça que attaquer lion de Juda, attaquer monde qui a fait mal et ou même la parole de Dieu, c'est lui-même qui peut attaquer, qui peut convaincre. Ou qui n'a pas d'accord avec ça, m'a dit. Mais les bibliques. 2 Corinthiens 5, verset 17, dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. If someone is in Christ, you're a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. All things have become new. Tout péché, c'est un vice. Sou pas quitter Jésus-Christ dans la vie, pour quitter le Saint-Esprit agir dans la vie. C'est seul médicament ça. À part de ça, pas gain l'autre encore. Romains 3, verset 23 dit, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. We all sin and fall short of God's glory. Romans 3, 23. But there is life in Christ. Because in Christ we are a new creation. On nous pas conformer tête nous, on nous transformer plutôt. Soit gardé. Bagay ke yo pi cherche nan Google. It's pornography. The most searched thing on Google is porn. Bagay ke yo tape plus yap cherche nan Google la internet, c'est pornography. Problème nan la kay nou. Problème nan nan assemblé nou. C'est là Satan commence à détruire foyer. C'est dans ça. Satan a détruit un pile foyer à cause de ça. Jalousie a mis pied. Nous wè jeune fille, jeune haïtienne qui a vend corps sur réseaux sociaux pour qui ça? Pour popularité ou quoi? Et puis dimanche tout le monde bien habillé. Et puis, on parle de l'église. L'évangile supposé transformatif. The gospel, when you hear it, it's supposed to be transformative. It's supposed to change your life. Faut qu'a changer la vie. Parole de Dieu, gè capacité pour changer la vie, mais c'est ou même qui pour d'accord. Le nous garder la vie conjugale,
entre un homme et une femme, dans le contexte du mariage, nous remplacer par qui ça? Désir, lust. Nous remplacer par adultère, nous remplacer par homosexualité, nous remplacer par pornographie. Et puis là, nous entrer, nous pas qu'à suspendre. Oh, Jesus. Là, nous entrer, nous pas qu'à suspendre. Qui ça, Romains 6, verset 19 dit? On a l'air dans verset ça. Et n'encourageons pour étudier le livre de Romains. Romains 6, verset 19. Paul dit, je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice. De même, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Romains 6, 19. Paul says, I am using an example from everyday life because of your human limitations. Just as you used to offer yourselves as slaves to impurity and to ever increasing wickedness, so now offer yourself as slaves to righteousness leading to holiness. Ou t'es esclave péché avant, ou t'es dans impureté, ou t'es dans injustice, mais kounya, mettons esclave au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Faut que nous ka progresser dans la sainteté. Même désir ou ta bay soit te kon fè yo, sou te bay la Bible. Même désir ça pour li Bibou, pour étudier la parole de Dieu, pas seulement chita l'église. Parce que gon bonne baga ou pap tande du haut de la chair. Ou attendez message, mais s'attendez, so c'est pour continuer ou même pour lire la Bible, pour quitter parole bon Dieu agit dans la vie. Ou. Because if you don't, même Jean 2 Pierre 2 19 dit comme ça que ou tourner esclave, tout le monde c'est esclave sur ça qui gagne pouvoir sous lui. Frères et sœurs dans le Seigneur, moi prions en grâce. Si que ou son monde qui a souffri avec une addiction, que ce soit sexuelle, que ce soit addiction bah bon type, précisément addiction sexuelle, qui t'aime dire ça, gain espoir pour vous. Parlez avec un monde qui est chrétien. Des fois, nous pas qu'à sortir dans vie sans parce que ils sont secrets. Si son bagage est en secret, on ne peut pas le connaître. Ou toi, maintenant, tu mes amis, si on ne connaît pas ce que ça me fait, comment on peut le garder? Ou déjà dans l'erreur, ou déjà dans le péché. C'est qu'on soit qu'à connaître. Est-ce qu'on attend les madames ou bien les mains ou dormi pour veiller, pour checker? Et ça fait mal. Et Satan a utilisé les réseaux sociaux parce que lui connaît leur approche. Lui c'est un lion rugissant. L'a cherché un monde pour le dévorer. He's a roaring lion walking and looking for whom he may devour. Et ses vulnérabilités au café. Li dévoré ou. Parce que ou pas soumettre avec autorité, bon Dieu. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous quittez curiosité pour te nous aller. On simple de curiosité, non, juste garder. Ça m'a fait manier. Mais l'on gade le kounyon, li commence à créer un désir, l'on gade pour nous, l'on commence à créer un désir, kounyon vle manifester désir là.
gen moun ki viole moun à cause de ça, gen moun ki prend ti moun y a pas abuser sexuellement. Et ça fait ou même pas quitter petit tout dans n'importe moun, nan men n'importe moun. Pas parce que tande ses frères tel c'est tel et puis you let your guard down et pour quitter petit tout et puis quand petit moun y a pas abuser sexuellement. Nous est sur un scandale public. Côté paix, a pas abusé ti moun, c'est pas seulement paix qui fait le pasteur fait, le prédicateur fait. Nous malades, nous refusons chercher médicaments. Parce que nous peur jugement, nous peur pour moun pas condamner nous. Mais qui sa Paul l'a dit? Les désirs l'ont consumé. Qui résulte quel bail? La mort. Donc on préfère mourir spirituellement au lieu de chercher médicaments pour problème. Nous prenons une petite pause musicale. Nous allons retourner tout de suite. Gardez l'écoute. Que bon Dieu bénisse. Vous branchez Radio Parole de Vérité. www.radioparoledevérité.com. La radio qui fait la différence. Ou qu'à côté nous, si on est aux États-Unis, sur 712-275-82-93. Ou bien 515-605-5646. Si on est au Canada, ou qu'à côté nous, 1-867-675-1665. Sur la République dominicaine, ou qu'à côté nous, sur 1-829-999-2572. Si on a la coule à France, coûtez-nous sous 3-318-014-0004. Radio, parole de vérité, la radio.
sur Radio Parole de Vérité. Radio Parole de Vérité. Depuis l'état de Massachusetts, Radio Parole de Vérité est à votre portée. Vous êtes sur Radio Parole de Vérité, une station qui fait la différence dans le monde évangélique. Second Timothy 3:16 and 17 says, all scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. The BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth on Radio Parole de Vérité with Minister Skyina Mendron, is a show that provides biblical and practical help for everyday problems, spiritual, social, educational, health, and family issues. So please join us and listen every Thursday from 7 to 9 p.m. and Sundays from 5 to 7 p.m. on Radio Parole de Vérité. You will be tremendously blessed. Emmanuel, je te désire. Bienvenue encore sur la BIBLE, instruction de base, avant que nous quittions Tessa. Et nous avons continué à parler d'addiction, nous avons parlé d'addiction sexuelle. Il y a un passage que nous voulons parler de lui, c'est dans 1 Jean, chapitre 2, verset 16. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. 1 John 2, 16. Il dit, en effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Comment péché entrer? La convoitise des yeux. Ouais, bagala avec yeux, li fait plaisir. Et puis kounya même flèche l'en besoin. Et puis orgueil. C'est nous qu'a dit que orgueil c'est un bagay qui nous qu'a dit que qui nan racine presque tout péché. En pile fois nous péché c'est orgueil qui cause nous péché. The pride of life. Nous pensons que nous avons fait mieux, nous pensons que nous connaissons mieux. Livine cause nous péché. Les petits bagages ne sont pas sortis de bon Dieu. Donc, le n'a pas gardé. Et nous avons verset pour entrer avec, pour continuer la conversation, nous avons parlé de pornographie. Définitivement, l'on suit Pano, l'on a gardé lui, qui ça le fait? Convoitise des yeux, the loss of your flesh. And then, kou ni même livini, kou ni même livini. Non seulement ou elle avec yo, kou ni ouvle manifestel. So, l'on commence comme ça, ou commence descendre. C'est ça qui cause péché. The loss of the flesh, the loss of the eye, and the pride of life. Et l'on regarde, pensez avec un péché qu'on commet ou pas supposé commettre. OK? The loss of the flesh. La convoitise de l'homme.
la convoitise des yeux. Pensez ça. Un monde qui a peur de jouer bolette. Qui ça qui fait la jouer bolette? Parce que le pauvre qui fait la jouer bolette? Ou bien c'est parce que li t'a remé, li gon convoitise, t'a remé pour l'ouel gon pile cop nan mel. OK? Kounya même envie en montel que li OK, ça gon gros caille, li gon gros machine, li même li pas non capacité pour ta travailler du pour ta serrer cob li pour faire ça, li même li aller, li commencer dépenser l'argent li. Pas payer bill li, quitter famille la souffri. Pour li ka posséder en bagay. Et puis kounya li commencer jouer orgueil kounya puisque li jouer la perdu orgueil fait le fol continuer jusqu'à ce qu'il gagne. Elle doit faire toute file. La fait ça pas jamais gagner. Pas oublier que tout ça que ou fait en excès li c'est péché. Donc ou besoin chercher aide pour problème ça yo. Par contre comment pour me dire encore? You need help. Et ou même, sous son conseiller, ou non position, ou son chrétien, ou non position spirituellement, ou ka enseigner spirituellement, ou ka prend moun sa yo, ou pas obligé de tenir pasteur, mande pasteur permission, est-ce que ou ka annoncer gon groupe là, un groupe anonyme, que moun yo ka vini pou yo chita, utiliser la parole, pour moun yo comme si parler de addiction yo, parce que l'homme est tel clair, kounye pou kembe comme si kembe moun nan accountable. Kebe moun nan kout pou mandel comment y est est-ce que ou t'es karete pou faire 2 3 jours abstenir dans série de bagay mais qui ça nous fait bagay ça yo nous prend yo nous comme ka dit ça nous commencer parler nous relé l'autre moun nous mettez business moun nan dehors kounye nous fait que l'homme moun nan vraiment besoin problème nan li pa ka vini pou parler gè step ko ka prend pour réduire tête ou pour pas entrer dans série de bagaille. Premièrement, bloquer toute bagaille qui extrait ou bien dans téléphone ou bien dans computer la caillou. Limiter temps passé à regarder télévision, sou gen CD ça ou la ou gen vidéo la caillou, jeter au boulet yo. Sou senti que ou vle aller plutôt temps pour mon smartphone mes amis. Pito pon ti flip flop ko pa ka gade vidéo la donne. Des fois nouvelle mak téléphone elle pas obligé pour ou. Cherchez un autre chrétien comme t'a dit tout à l'heure, cherchez un autre monde que ou ka fait confiance. Que ou ka confesser parce que Bible dit confesser péché nous les uns les autres. En pile fois nous pas gon méthode de confession, pas dire ça que mettez de un genou avec un monde pour dire monde pardonner ou non, mais confesser cherchons monde qui gon niveau maturité spirituelle qui puis haut passer pas un monde qui peut parler, un monde qui rempli de l'esprit qui gon onction sous lui parler avec monde, ça dit monde checker sous moi lorsqu'on trouve tomber dit monde relé me prier pour moi. Gien l'autre bagaille qu'on ka fait tout. Méditez sur la parole de Dieu. Philippiens 4, verset 8 dit comme ça que, en effet, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Que bagaille ce soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4:8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Méditez sur la parole de Dieu. Méditez sur les bienfaits de Dieu. Apprenez les Écritures. Pour s'en mémoriser, leur senti qu'on voulait prendre téléphone pour ou bien algade ou bagay, comment se chanton chanter, comment se chanton cantique, comment se répéter en somme. En pile fois, nous pas mémoriser la parole encore. Pour moun qui addicté avec alcool, yo, des fois, c'est pour checker tête ou non sante, en recovering center. Parce que, ou dépend, parce que
produits chimiques en alcool ni dans médicaments parce que gen moun n'est pas seulement alcool gen moun c'est un médicament opioid Tylenol PM conseil de médicaments quoi addicté avec li changer chimiquement li changer cerveau des fois ou besoin traitement c'est pour aller côté pour faire mon pour retirer bagage ça dans nous même gen programme tout gen programme chrétien gen un programme qui rele New Life ou ka tapel sou programme chrétien sou site aux États-Unis ou addicté avec sexe yo gen programme que yo fait kon fait weekend yo pote des gen pasteur gen psychologue gen moun comme si chrétien conseiller qui vini thérapeute pour vini pour montrer une série de bagay sou pa ka afford li n'ap mande ou même pasteur ou même qui vont assembler ou diriger créer atmosphère parce que nous pas vivre dans même temps encore tout bagaille là dans plamé est-ce qu'on connaît des monde qui chita à l'église pendant un service ton culte adoration téléphone dans mais dans Facebook y a regarder pornographie est-ce qu'on compte ça nous pas qu'à fermer les yeux nous sous problème yo nous c'est lumière nous supposé porter lumière pour monde là. Des fois nous commencer avec nous-mêmes. Des fois nous focus sur ça qui a passé dehors, nous pas même où ça qui a passé dans la caille nous. Na assembler nous. Priez-nous en grâce, verset ça. Méditez sous dit Philippiens 4 verset 8. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. Qui ça qui est digne de louange? C'est bon Dieu. Qui ça qui est vrai? Qui ça qui est pur? C'est parole li. Au lieu qu'on a dit comme ça que ou ap tire épée nan kan diable lan. Gade pop kanpou. Parce que nap mouri par faute de connaissance ou bien par faute d'application. Nap mouri parce que nous nan denial, nous di non, it's not happening here, it's happening there. Et puis mauvais zèb piquant envahi jardin. Ou pas même moi ça pour voyer jour dans jardin voisin. Na fin émission ça moi veux prendre un petit moment pour nous prier. Pour nous prier. Si gon moun kap tande m la. Avec les hommes, il doit être possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Dans 1 Jean 5, verset 14, il dit nous avons confiance. Si nous prions dans la volonté de mon Dieu, ça que nous prions, ça que nous demandons, accordez-nous. Ça sont assurances, sont confidence que mon Dieu bat nous pour nous venir devant le trône. Nous ne pouvons pas demander pour ennemis. Nous ne pouvons pas demander pour des choses matérielles. Mais n'a demandé pour délivrance kounye en même. Quel que soit kotoye, sous son monde, kap souffri à quel que soit sorte d'addiction que lié. Ligue doit se passer sans se parler, ou gen doit addicter avec ba menti, ou gen doit addicter avec manger, quel que soit sa lié à excès de table. Alcool, abuser moun, abus sexuel. Ou gen doit addicter sexuellement son monde comme si qui masturbe jour et nuit pour rien. Gen puissance sans Jésus. There is power in the blood. Gen puissance sans Jésus pour kabo liberté. Dans moment ça, Seigneur.
mais petit tout yo papa. Pas qu'on est nom, pas qu'on est lieu. Mais Seigneur, ou qu'on est tout bagay. Kena yo Seigneur kap souffri avec addiction. Obsession. La convoitise des yeux, Seigneur. La convoitise de la chair. L'orgueil. Seigneur, dit bagay sa yo pas sorti de ou même. Sa ki sorti nan ou même, c'est la joie, c'est la paix, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est la maîtrise, c'est la bénignité, c'est la douceur, Seigneur. Oh papa, oh nous venons devant trop, nous cougnons en même, Seigneur. Avec un cœur qui chargé, Seigneur. Nous levons petit tout devant, cougnons en même, Seigneur, cet esprit du Dieu vivant. Nous demandons tant prie, s'il vous plaît, commencez à laver, commencez à nettoyer, Seigneur. Nous confessons tout péché, Seigneur. Tout péché, Seigneur. Qui sortit pour rendre nous esclaves. Nous déclarer liberté au nom de Jésus Seigneur. Bay menti Seigneur. Nous mandons pardon Seigneur pour tout péché ça. Côté nous mettre pied nous ne pas supposé mettre. Nous garder ça ne pas supposé garder. Nous tendez ça ne pas supposé tendez. Nous dit ça ne pas supposé dit Seigneur. Nous fait excès. Gen moun c'est jouer bolette, c'est l'autre. Gen moun se travay yo toune esclave. Seigneur nous mande pardon kounye en même pour tout ça que nous font qui mal Seigneur, pour chaque ça que nous mettez pour que baye première place dans la vie nous qui pa ou même Seigneur. Père très saint gen moun k'ap tann délivrance kounye en même. Gen moun à cause de ça li entré dans dépression Seigneur, kounye en même Seigneur. Ou même qui kon guéri Seigneur. Ou même qui compte restaurer Père très saint spécialité ou ça papa. N'a crié à ou même parce que nous pas gagne à qui aller ni à qui crier sauf ou même Seigneur. Lord God somebody right now Lord God is so deep. So deep in sin Lord God that they feel like there is no way out for them Lord God. Lord God they so deep Lord God that they feel like you have forgotten about them. But your silence is not the absence of your presence, Lord God. Oh, Lord God, right now, we cry to you, Lord God. Father God, we ask you to deliver, Lord God. To heal, Lord God. To make whole, Father God. Oh, Seigneur, ou même qui kon guéri, ou même qui kon restaurer, Seigneur, n'a fait appel à ou même, Seigneur, gan pile moun qui malade psychologiquement, Seigneur. Parce que bagay sa ou pas sorti dans ou même, Seigneur. Père, c'est Satan qui a fait ou tant pris souple, papa. Pas quitter petit ou yo. Son de cœur dans moment ça, Seigneur. Son de pensée dans moment ça, papa. Nous mandons guérison, Seigneur. Nous mandons délivrance, Seigneur, au nom de Jésus, papa. Oh oui, Seigneur, fais déjà ou qu'a fait encore, Seigneur. Ou fait déjà, Seigneur, qu'a fait encore. Gen moun k'ap rele kounye an ki bezwen libération, Seigneur. Libere, Seigneur. Chen sa yo ki enchaîné, Seigneur. Nou mande pou brise yo, papa. Se sa di nan 2 Chroniques, Seigneur, si mon peuple, peuple mwen, Seigneur, ki rele, Seigneur, si peuple sa mette l bien bas devan, Seigneur, si ou nou kriye a ou même, Seigneur, si nou bay peche do, Seigneur, ou di wap tande nan ciel la, wap keri nou, Seigneur. Oh Lord God, this is your people, Lord God, who are called by your name. Lord God, right now, I stand in the need of prayer for them, Lord God. Father God, as I intercede for my family, Lord God, as I intercede for everybody who's listening right now to the sound of my voice, we are your people, Lord God. We are called by your name, Lord God. We want to humble ourselves, Lord God. We want to seek your face, Lord God, and turn away from our wicked ways, Father God. Please, Lord God, heal from heaven, Lord God. Hear from heaven and heal us, Lord God.
Seigneur, nous corrompus tête. Mais nous disons merci, Seigneur, because there is power in your blood. Gain puissance, Seigneur. Puissance pour casser chaîne pornographie. Puissance pour casser chaîne abus d'alcool, Seigneur. Puissance pour casser chaîne moun kap jwe bolette. Tout vice, Seigneur. Toute addiction, Seigneur. Gain puissance dans son pour briser. Alléluia. Seigneur, débloquez-nous dans le moment ça, Seigneur. Agis pour nous dans le moment ça, Père très saint. Nous besoin plus que jamais, Seigneur. T'en prie, s'il vous plaît. T'en prie, s'il vous plaît, papa. Nous connaissons le sacrifice, on pas t'en vain. Même là que nous clouerons sous quoi, Seigneur. Nous connaissons le sacrifice, on pas t'en vain, Seigneur. You've done it before, you can do it again, Lord. Délivré, Seigneur. Retire honte dans nous-mêmes, Seigneur. Take away the guilt and the shame, Lord God. Because sometimes you forgive us, but Lord God, but the guilt and the shame is so present in our life and it's the work of the devil, Lord God. We cast it, we come with authority, Seigneur. Nous entrons avec autorité contre toute attaque ennemie. Quand il dit comme ça que nous ne pouvons jamais rien au nom de Jésus, pas de condamnation pour les gens qui sont cru. Déjà déclaré nous plus que vainqueurs au nom de Jésus. Seigneur, merci pour grâce. Merci pour miséricorde, Seigneur. Merci pour pardon. Merci pour sang qui t'est versé. Merci pour monde qui a déjà guéri kounia au nom de Jésus. Merci pour monde qui a déjà libéré avec addiction ça au Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, parce que nous prions en volonté. Seigneur, nous pas voulons esclaves péché encore. Mais nous voulons esclaves la justice. Nous voulons esclaves service au Seigneur. Seigneur, fais-le. Fais-le pour nous, Seigneur. Bah, nos témoignages vivants. Côté nous qu'à aider en l'autre monde qui tombait, Seigneur. Mais pitié tout yon devant, Seigneur. Nous disons merci pour guérison, ça qu'on a déjà fait. Nous disons merci pour miracle, ça qu'on travaille dans la vie, au Seigneur. Nous réclamons miracle, ça au nom de Jésus, Seigneur. Même là que nous pouvons voir avec les yeux physiques, mais Seigneur, travaille pour nous dans le monde spirituel, Seigneur. Seigneur, nous prions. Nous pas parce que nous dignes ni nous bons, Seigneur. Mais nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur. La puissance, la magnificence au siècle des siècles. Amen. 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 Le roi de gloire. Alléluia. En abondance, fais tomber ta Alléluia. Alléluia. Si tu fais prier ça ensemble avec, connais que bon Dieu tendait et l'a guéri. Pas oublier méditer sur Philippiens 4, verset 8. Encore une fois, depuis Studio 3, c'était servante Skyna Germain Mendon qui était avec vous pour la BIBLE. Et nous espérons que ça qu'on apprend, si ce n'est pas pour vous ou qu'on a un monde qui a besoin, partagez-le ensemble avec lui. Que la paix de Dieu vous soit, que son amour, sa paix, la douce communion intime du Saint-Esprit reste et demeure dans vos cœurs et dans vos pensées, dès maintenant et à jamais. Encore une fois, merci. Depuis Studio 3, pour Radio Parole de Vérité, c'est servante Oscarina Germain. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Vous branchez Radio Parole de Vérité. www.radioparoledevérité.com. La radio qui fait la différence. Ou qu'à côté nous, si on est aux États-Unis, sur 712-275-82-93. Ou bien 515-605-56-46. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber.